Vous avez l'habitude de m'entendre parler à propos de sexualité ou bien d'énergie d'argent. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un autre espace dans lequel j'œuvre avec autant de passion, c'est-à-dire le jumeau rescapé, le jumeau manquant, le jumeau perdu. Ce syndrome, en fait, qui touche eh bien, beaucoup de monde, bien plus de monde qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que 20% au départ des grossesses sont gémellaires et passent totalement inaperçues, on peut comprendre effectivement que lorsque ce jumeau qui est rescapé vient au monde, eh bien s'ensuit dans sa construction psychique. Eh bien, une énorme blessure existentielle, une sensation qui lui manque quelque chose, une sensation d'incomplétude. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui arrivent, là, je vois qu'il y a du monde que je connais. Donc, je suis Karine Morère, facilitatrice de conscience spécialisée dans l'énergie sexuelle, dans l'énergie d'argent et dans le syndrome du jumeau rescapé. Et en fait, tout va ensemble, hein. C'est cet aspect spirituel, l'aspect sexuel, la puissance sexuelle et l'énergie d'argent. Tout ça se regroupe dans un art, dans un centre où il va savoir s'agir, de dire oui à sa vie, de jouir pleinement de sa vie, d'alimenter la joie dans tous les secteurs de sa vie. Alors autant vous dire que le jumeau rescapé, quand il arrive sur cette planète Terre et qu'il a l'impression en fait d'avoir fait naufrage sur une planète dans laquelle la dualité c'est quand même un peu compliqué, qu'en plus en cours de route eh bien il a perdu certains de ses compagnons. Il va se manifester en lui beaucoup de rejet, une sensation de rejet, une sensation d'abandon, d'injustice. En fait, le jumeau rescapé va vivre avec beaucoup de blessures au niveau de l'âme. Et tant qu'il n'a pas regardé cet espace-là, tant qu'il n'a pas été observé, tant qu'il n'a pas été mis en contact avec, moi pendant des années j'ai vécu avec ce syndrome sans savoir en fait que ça existait. Et le jour où en fait j'ai entendu rien que le mot, à l'époque c'était le jumeau perdu, rien que ça, je me suis effondrée en pleurs et en larmes parce que ça venait tellement résonner avec quelque chose de profondément blessé et meurtri en moi que ça donnait du sens en fait à toute cette souffrance que j'avais emmagasinée depuis tant d'années, une sensation de ne pas être à ma place, de ne pas être complète, une sensation d'avoir envie tout le temps de mourir, de partir, une sensation d'être amputée d'une partie de moi-même, une sensation d'auto-sabotage, une sensation de dépendance affective, de rechercher quelqu'un continuellement. Et alors, bon, ça m'a pris un petit peu de temps quand même, entre la prise de conscience et puis l'acceptation du oui. Ça a duré peut-être 5 ans, hein, voilà, à l'époque. Et en fait, pourquoi ça a duré 5 ans? C'est parce que j'avais pas les outils hein, que maintenant, moi, je propose. D'où cette soirée de guérison que je propose jeudi dans une semaine, jeudi 27 au soir. C'est vraiment, même pour les jumeaux en fait qui sont nés ensemble, souvent il va y avoir en fait dans la gémellité, eh bien des loyautés, c'est ça, des loyautés, comment on pourrait dire ça, des fidélités inconscientes, subconscientes, qui fait qu'en fait on n'ose pas vivre pleinement sa vie par rapport à l'autre. Et on peut rester retranché hein, derrière justement ce repli sur soi, cette fidélité. Hein, à la limite, c'est plus facile de rester retranché derrière la fidélité que d'oser se dire oui à soi. D'où cette soirée de guérison. Voilà, c'est-à-dire qu'avec toutes ces années d'expérience, toutes les personnes effectivement qui viennent à moi ou qui m'écoutent en général, tous ceux qui sont en train de m'écouter, vous n'êtes pas en fait. Ce n'est pas étranger, voilà, c'est pas quelque chose qui est étranger. Ça peut résonner avec quelque chose en vous, mais qui était totalement inconnu jusqu'ici.
Et le fait de pouvoir mettre en conscience cet espace-là, il y a vraiment de la libération, une nouvelle ouverture qui est possible. Et moi, c'est ce que je me propose d'accompagner, non seulement en individuel, quand j'accompagne des personnes en individuel dans des processus, mais également dans des soirées de guérison collective. Et dans la soirée de guérison collective, eh bien, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a vraiment un égrégore de guérison, un égrégore d'engagement où on n'a plus l'impression d'être tout seul. On a l'impression justement, l'âme qui ne veut pas s'incarner, parce que c'est ce qui se passe, hein. Il y a une partie de l'âme qui a dit oui, qui est dans les cellules, qui est dans le corps, mais il y en a une partie qui est restée bloquée dans une nostalgie, dans la matrice. Et cette part-là, eh bien, elle a besoin de sentir des frères et des sœurs. Elle a besoin de sentir cette fraternité, cette sororité. D'où les creusets de guérison collectifs pour accompagner ce processus. Parce qu'en fait, notre âme a besoin de cet accueil, de cette compréhension. L'âme, pour s'incarner, elle a besoin de douceur, de bienveillance. Elle a besoin de sentir un creuset, quelque chose pour qu'elle puisse se déposer. L'âme a besoin de se sentir reçue. Elle a besoin voilà, de ce fameux féminin. Hein? Et c'est ce que je me propose pour la troisième édition. Ça fait très longtemps que je n'ai pas proposé de soirée de guérison, de jumeaux rescapés. Ça fonctionne très très bien. J'ai des très beaux retours, de belles guérisons, de changements, de vibrations, de sauts quantiques qui sont assez incroyables. Je le propose aussi systématiquement dans Argent égale joie. Les gens qui viennent à moi œuvrer avec l'énergie d'argent, c'est récurrent qu'il y ait vraiment un auto-sabotage avec l'argent dû à cette blessure intra-utérine qui fait que le jumeau rescapé va toujours vivre en rejetant l'énergie d'argent. Il ne se sent pas digne de recevoir l'argent. Il refuse en fait la vie, une partie de lui refuse la vie, en refusant la vie, il refuse l'argent. Donc il y a vraiment un rejet, toujours attiré dans des espaces très spirituels. Donc on vit une spiritualité très désincarnée. Moi je connais ça par cœur, je connais tous les espaces, les replis stratégiques pour ne pas se choisir, pour ne pas se dire oui. Voilà, donc si tu sens que ça peut contribuer dans ton univers, j'ai une technique très spéciale à moi que j'accompagne à distance. Qui contribue à cet engagement, à ce oui. C'est un rituel très particulier qui a fait ses preuves et qui a fait ses preuves à la fois pour moi, à la fois pour toutes les personnes qui viennent en processus d'accompagnement avec moi, que ce soit dans l'énergie sexuelle, dans l'énergie d'argent ou dans l'énergie du syndrome du jumeau rescapé. Voilà, donc je suis en joie de pouvoir proposer cette soirée. Ça va durer 1 heure et demie à peu près. Or, j'ai toujours l'habitude de déborder un peu parce que je suis tellement passionnée, que j'aime tellement donner et offrir vraiment tout plein d'espace et de techniques et d'astuces pour continuer à vibrer la joie et à s'engager sur cette planète Terre qui a vraiment bien besoin de nous. Hein? Nous parlons d'écologie continuellement, parlons d'écologie avec nous-mêmes, parlons de notre propre écologie intérieure. Est-ce que nous sommes prêtes et prêts ici et maintenant eh bien, à vivre une écologie de s'aimer soi-même et d'aimer tout de nous, même la part de nous qui croit encore devoir refuser l'incarnation et qui nous sabote, hein, de lui dire oui à cette part-là. Enfin, on verra tout ça dans la soirée de guérison. Je vous ai mis le lien. Alors, c'est une soirée qui a un petit prix parce que très souvent, les jumeaux rescapés, en fait, eh bien, ils sont dans des dépendances financières ou dans des vides financiers assez incroyables. J'en viens, donc je peux vous en parler. Ça demande vraiment de faire une belle guérison aussi sur l'énergie d'argent et tout ce que ça vient chercher dans notre humanité. Donc j'ai fait un petit prix, un prix jumeau, 55. J'aime bien, moi, avoir des chiffres qui me parlent. Donc 55 euros pour une soirée. Vous aurez le replay à volonté. Et effectivement, plus on est ensemble, plus on est en fait de jumeaux ensemble, plus effectivement l'égrégore de guérison est puissant, et plus en fait, eh bien, on se sent accompagné, soutenu dans cet espace. Voilà, c'était Karine Morère, facilitatrice de conscience. Je te dis à jeudi 27 au soir pour cette magnifique soirée de libération et de guérison. Parce que nos jumeaux perdus ont besoin de retrouver le cœur de source et que nous, nous nous engagions pleinement dans notre incarnation, dans ce oui à la vie, dans la manifestation.
d'en vivre notre vie telle que nous sommes venus, telle que nous, dans le premier élan en fait, hein, nous avons eu un premier élan, souvenons-nous de ce premier élan de oui, malgré eh bien, la mélasse horizontale, malgré la 3D qui, dans laquelle on peut rester un petit peu coincé. Voilà, allez à tout vite, je te laisse t'inscrire et j'ai bien hâte en tout cas. Return.